Bonjour, je m'appelle Carole Ercole, je suis une des cofondatrices et co-dirigeantes de l'association Audition Solidarité. Audition Solidarité est une association humanitaire qui a toujours créé des missions humanitaires depuis 2008 sur Paris, sur Marseille, en France. Et depuis janvier 2021, a créé les rendez-vous solidaires. Un rendez-vous solidaire, c'est appareiller gratuitement une personne démunie, sans couverture sociale ou bénéficiant de l'AME, au plus proche de chez elle. Ces rendez-vous solidaires peuvent se situer sur toute la France, chez nos partenaires qui sont des audioprothésistes mécènes. À ce jour, il y a plus de 280 centres. Comment ça s'organise concrètement? Nous avons deux personnes salariées à l'association, Marine et Marion, qui sensibilisent les accompagnateurs sociaux pour faire connaître ce dispositif. Et ces acteurs sociaux vont accompagner le bénéficiaire qui a un problème d'audition chez un ORL et après va nous l'envoyer pour faire cet appareillage auditif au plus proche de chez elle. Donc nous recevons un appel d'Audition Solidarité pour fixer un rendez-vous solidaire avec une personne qui est démunie, qui n'a pas de couverture sociale et qui a potentiellement l'AME, donc l'aide médicale d'État. Il a été détecté comme malentendant par un ORL, donc il a une ordonnance pour se faire appareiller. La seule différence pour nous, c'est qu'on va l'appareiller avec des appareils auditifs qui viennent de l'atelier d'Audition Solidarité. Sinon, on va le suivre comme un patient lambda avec tous les rendez-vous de contrôle, les rendez-vous de suivi pendant toutes les années où la personne aura besoin d'être suivie. Et tout ça à titre gracieux, évidemment. On va juste donner de notre temps. On va faire des embouts sur mesure qu'on va lui offrir, évidemment. Tous les produits d'entretien et toutes les piles seront offertes. Donc nos audioprothésistes mécènes récupèrent les appareils auditifs dans leur centre et nous les envoient, nous les transmettent pour les recycler dans notre atelier unique en France. En général, avec 3-4 appareils, nous en refaisons un qui va fonctionner et dans une parfaite écologie. À ce jour, en 2023, plus de 75 personnes ont pu bénéficier de ce dispositif, ce qui représente plus de 200 rendez-vous solidaires. Le projet futur, c'est de pouvoir proposer à toute personne démunie en France d'être appareillée à moins de 30 minutes de chez elle. Audition Solidarité est lauréate du prix Inclusion Surdité Or en 2023. Tout d'abord, un grand merci à la Fondation pour l'audition parce que cette dotation va nous permettre de maintenir les deux salariés qui font vivre ces rendez-vous solidaires. Encore merci.